Alors, salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi, milieu du mois de novembre. Donc là, on va au travail comme d'habitude. Vu qu'on est en confinement, on peut pas faire de balade à côté. Ah, un petit motard. Salut! Même pas bonjour. Ah, si. Ils ont du mal à dire bonjour, les Parisiens, je trouve, ils ont du mal à dire bonjour. Les gens des régions Île-de-France et tout, c'est mieux. Mais bon, qu'est-ce qu'il veut faire? Je sais pas. Tu mets sur deux voies. Oula, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, il est fort lui, hein. Bravo. Ah ouais, on voit de tout. Voilà, ça va, on est passé. Hop, extérieur. Faut faire attention parce que ce matin, j'ai vu, il y a pas mal de plaques d'huile, genre qui brillent un peu au sol. On va faire très attention à ça. Comme il a plu hier et cette nuit, bah, je fais gaffe. C'est bien blindé ce matin aussi. Je voulais y aller en voiture, je me suis dit, bon attends, on va quand même prendre la moto, ça fait 3 jours que je l'ai pas pris. Ça me manquait un peu, avec mon doigt qui est pété là. J'ai mis un pansement, ça devrait le faire. Pas très pratique ici, il devrait faire des voies spéciales vélo et moto, et mais vraiment un spécial moto, merci. Oh là là, j'ai mon pot d'échappement, il fait pa pa pa. Alors les gens vont croire que c'est un attentat et tout. C'est bien d'être en moto hein, quand même. Hein. Hop, on passe discrètement. Comme si dans un été. Bon, là je vais faire une gueulante. Pourquoi Météo France il se tourne toujours? Il avait pas annoncé plus du tout hein. Et là je me tape un peu de flotte. Ça se voit pas sur la caméra, mais ça fait des petits crachants. Ça fait chier quoi. Je me suis dit, ouais, c'est bon, il y a le ciel, il est bon. J'ai nettoyé la moto, la sécher, c'était bon. Et là, punaise, je vais me taper la flotte sur la route. Je vais avoir les fesses toutes trempées à la pharmacie. Je sais pas si vous voyez au sol, il y a vachement de gras. Enfin, de gras, c'est une façon de parler. Et putain, il pleut en fait, hein, vraiment. Hein. C'est ouf, quoi. Voilà. Moi, je passe pas par la N184. Il faut absolument que je passe par... Non, je passe par la 15. Aujourd'hui, je suis pressé. Pas le temps de me promener. Surtout que les filles, je les ai posées pas très tard. Bon. C'est marrant, hein. J'ai un pansement sur le doigt, donc j'ai l'index. Je peux pas le plier sur la moto. Donc je passe les vitesses avec les autres doigts. C'est marrant, on rigole bien. C'est quoi ça? Un truc de police ou... Ouais, non, c'est bon. Hop là. Je sais, c'est pas bien ce que je fais. Mais là, les gens, ils roulent pas, quoi. Ah, quand ça sera fini, le confinement. Bon, les gens, on est à la moitié du mois. Alors, est-ce qu'ils vont rouvrir les... Comment on appelle ça? Les restaurants et tout? Telle est la question. Parce que là, le monde est en train de se rebeller. Moi, j'ai des gens dans le sud de la France. Ils ont carrément fait une manifestation. Alors qu'on est en confinement, c'est choquant. Parce qu'ils en ont marre, les restaurateurs, de rester fermés, quoi. Ils ont pas de preuves comme quoi... Je parle des restaurateurs, hein, je parle pas des barman. Parce que les bars, laisse tomber, hein, je travaille et je vis à Paris. Laisse tomber, la dernière fois, avant le confinement, les gens à 50 000 à côté dans le bar, il n'y en a pas un qui avait une distanciation sociale avec l'autre table. Je veux bien, hein, avant on vivait comme ça, on est très sociable quand même les Parisiens, tu vois. On parle énormément et tout avec tout le monde. Mais là,
Là, les gens vous demandent de faire une distance et là, vous abusez, quoi. Donc, au bout d'un moment. Mais bon, on est des Parisiens, des Français, on a du mal à respecter les règles. Dans tous les pays, on a une réputation de ouf, quoi. C'est comme ça. Mais moi, je suis en train de me prendre la flotte, en fait, les amis, là. C'est vraiment la merde, ce matin. Bon. Bon, les amis. Oh, il est beau, son traceur. Bon, les amis. Il y a pas mal de monde ce matin. Comme d'habitude, ils freinent, les gens, il y a le radar. Moi, je sais pas, moi, j'ai le régulateur dans la voiture. Bon, quoi, je veux aller vite, je l'utilise pas, mais. Mais voilà quoi. Donc quand t'as un radar, au moins tu passes, t'es à la bonne vitesse quoi. Bouchon à 2,500 mètres. Derrière un camion, tu te prends un coup de rafale. Hop, y'a personne. C'est bon. Ah bah ça va ce matin en fait. Ils voulaient me faire passer par un chemin où il y a des bouchons. Mais ça va, il n'y a personne, je trouve. Monsieur Nédis. Monsieur Nédis. Salut. Ça se trouve, c'est un collègue à mon mari. Mort de rire. Ouais, mais il verra. Hein. Tiens, il y a marqué Rebecca sur tout le casque. Si c'est un pote à mon mari, soit il m'enverra un message, soit il va envoyer un message à Anthony. Et hop, j'aurai des news. Ouais, il y a un collègue à moi qui t'a vu sur la route. Merci. Ça va ce matin, les gens sont trop relax. Ils sont pas énervés, ils ont passé un bon week-end. Confiné, mais un bon week-end. Donc voilà, on est limite Argenteuil Beson. Sur le côté là droit, vous avez Argenteuil, avec côté Seine, un centre commercial. Oh, venez 10. Et voilà quoi. Oh, il y a des motos derrière moi, une GSX. Là, il y a un mec qui est en train de parler de mon Insta, sur son casque. Bon, derrière, j'adore. Il avait mon Insta derrière, il avait ma caméra. Mais ouais. Ah, pour ceux qui veulent des réductions, je travaille avec Kaenza Concepts là. Pour les étiquettes, vous avez REB 10 pour un 10%. Avec sa petite Honda. Elle est pas mal, hein. À deux. Moi, j'avoue, rouler à deux, je suis pas. Je suis pas très à l'aise. J'ai déjà fait Deauville Paris à deux hein, avec mon mari derrière. C'est pas un petit gabarit. Ça va, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mais sinon, ouais, c'est compliqué quand vous freinez, il y a un poids en plus vers l'arrière. Là encore, il a une gonzesse derrière, donc ça va, c'est pas la fin du monde. Ils sont en intercom, donc ça va. Oh, il a un petit 50. C'est quoi cette plaque là, dégueulasse? Mais c'est rien, le mec. Sa plaque, elle est hors la loi là. À une plaque comme ça, c'est même pas la peine. Allez, une petite course. Il va regarder ma chaîne YouTube. Il y a des Enedis partout ce matin. Petite voiture bleue. Je force dans les régimes là, laisse tomber. Hein. Comment je me les caille?
bientôt. Les égouts, les égouts, ça pue les égouts. Hop là. Bon. Et je crois qu'il a, il va ajouter mon YouTube. Ouais, un petit 50 est à côté de moi là. Ah là là, il a carrément coupé sa petite moto. C'est trop drôle. Hop. Moi, je vais vous avoir un truc, j'ai oublié de fermer mon casque. Donc, je suis dans la merde depuis tout à l'heure. Vous faites pas des vidéos sur YouTube ? Hein ? Vous faites des vidéos sur YouTube ? Ouais. Ah, ça me dit quelque chose la moto. Ah bon ? Salut ! Ah, un abonné ! Un abonné ! Ça me dit quelque chose la moto. Oh, il est mignon ! Il est tout choupiné. Ah, c'est pas mal. Sympathique. Le bruit qu'il fait, c'est un truc de ouf. Pas mal, ta petite bécane. C'est chargé là. Ça va être chaud de passer même en moto. On va la faire à la piratique ça. Merci. Ah, je rigole. Les petites sardines. Je rigole. T'as des délires, toute seule dans mon coin. Il est 14 et je suis en retard à la pharmacie. En plus, je me tape le feu, je suis dans la merde. Bon, je suis en retard. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein. Pourtant j'ai speedé. Hein. C'est moi là-bas, regardez-moi. Je suis dans le miroir, je sais pas si on me voit. Je suis toute mignonne avec ma tête moto, ma tête Z. Les gros, allez les gros. Bon les petits loulous, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de commenter, ça me ferait plaisir d'avoir vos petits avis. Allez, je vous fais un énorme bisou les loulous. À bientôt.